All right. Hello guys, welcome back to my channel. C'est un plaisir les amis de vous revenir en forme, en bonne santé. I'm like I've been missing. Anyways, mais moi-même c'est vrai que j'aime faire mes vidéos avec le naturel et tout, mais I'm feeling like my lips are dry, so attendez, je mets mon lip balm et je vous reviens, ok? Let me come back. Alright, guys. J'ai terminé. Bon, maintenant, je crois que c'est mieux. Mes lèvres, au moins, sont un peu hydratées. Anyways, c'est plus sec comme je sentais ça, très, très sec. Anyways. Alors, les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez, la famille? J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. C'est mon souhait, c'est ma prière. De mon côté, je vais très, très bien. Je peux le dire. Je vais très, très bien comme d'habitude. C'est vrai qu'il y a de cela plusieurs jours, vraiment plusieurs jours, que ça n'allait pas. Raison pour laquelle j'ai été absente, vraiment. Pour ceux-là avec qui j'ai communiqué en inbox sur WhatsApp, ils savent, la majorité, bon, pour la majorité d'entre vous, vous êtes au courant de mon... Vous étiez au courant de mon état de santé. Ça n'allait vraiment pas. Bon, bref, maintenant, je suis... back on the scene. Je sais pas pourquoi je suis très contente, mais je suis back on the scene, guys. Je suis de retour et c'est avec plaisir que je vous reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui, les amis. Et I'm grateful and thankful to God. Je rends gloire à Dieu pour la bonne santé qu'il m'a accordé la grâce de pouvoir retrouver. Ok, les amis. Alors, guys, dans cette vidéo, je viens pour vous parler ou alors pour vous donner certaines informations que vous devez savoir. C'est un changement qu'il y a sur le format des visas visiteurs. Et bon, bref, en fait, ce que vous devez savoir, en fait. OK, les amis, je le dis pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous, pour ceux qui ont eu leur visa, il y a une bonne nouvelle. Guys, attendez, je vous dis d'abord ce que je vais vous dire. Et puis, je vais vous venir avec la bonne nouvelle. Amandine, calm down. What's your problem? Ouais, les amis, je sais pas pourquoi je parviens pas à me contrôler. Je parviens pas à m'arrêter. C'est juste que la bonne nouvelle que j'ai à vous amener, vraiment, it just puts me on my toes. Like, anyways, donc, comme je disais, donc, il y en a qui ont pris leur visa visiteur, qui ont fait avec moi, c'est vrai, et aussi d'autres qui ont fait avec d'autres agents. Et comme je vous dis toujours, même si vous avez fait avec quelqu'un d'autre et que vous voulez mon conseil ou alors vous avez des questions par rapport à quelque chose, vous avez des zones d'ombre que vous ne comprenez pas, vous êtes libre de laisser un commentaire ici sur YouTube ou alors de laisser dans mon inbox sur WhatsApp et quand je vais arriver sur votre numéro ou alors sur votre préoccupation, I'm going to answer you, ok? Je vais vous répondre. Alors, il y en a qui ont reçu leur visa visiteur et ils étaient un peu déjà, je peux dire, surpris ou alors ils avaient des questions. Ils se demandaient, mais est-ce que c'est le visa? Est-ce que c'est vraiment le visa? Parce que bon, il y a eu des changements. L'immigration, en fait, ils ont changé le format des visas. Et ici, présentement, c'est vrai que c'est tourné. Oui, je retourne parce que, bon, voilà. Je ne vais pas vous montrer les informations de la personne. Je n'ai pas caché. Ou alors, je ferais peut-être mieux de cacher, oui. Je vais cacher avec le bic et puis je vais retourner comme ça. Je vais vous expliquer vraiment, vraiment de quoi est-ce qu'il en est. OK, donnez-moi le temps de cacher. Je reviens. OK, guys, voilà. Maintenant, j'ai caché les informations de la personne. Je me rassure que j'ai tout caché. Application de number, j'ai caché passport number, j'ai caché date of birth, bon j'ai juste caché l'année, c'est pas grave. English name, j'ai caché le nom de la personne. Visa number, j'ai caché le visa. Voilà, visa statue, period of stay. Ok, voilà, tout est ok. Donc maintenant je peux retourner et vous montrer. Tada! Bon, bref, alors les amis, voilà le nouveau format des visa visiteurs du Bahreïn. J'espère que vous pouvez voir. I hope you can see it. I hope you can see it. Yeah. Focus. Pourquoi est-ce que ça ne focus pas? My God. Why is it not focusing? Focus. Focus. Come on. Focus. Focus. C'est blur, guys. It's blur. It's not focusing. Ok, je crois que là, c'est bon. Oh, shit. I don't know. But anyways, donc voilà un peu ça là comme ça. This is it. This is it. This is it. This is it. Alors, ça, c'est le nouveau format des visas du Bahreïn. Il y avait l'ancien format. Alors, il y en a, comme je disais, qui ont pris leur visa. Et ça, c'est l'une des personnes également dont le visa est sorti. En tout cas, la bonne nouvelle arrive à la fin. Donc, il y en a donc qui ont eu leur visa. Et quand ils ont imprimé cela,
Parce que vous devez savoir déjà que le visa du Bahreïn, c'est un visa PDF, un visa électronique, qu'on t'envoie un document PDF et que tu imprimes comme ça sur un format A4. Et c'est ça qui te sert de visa lorsque tu voyages. OK? Alors, donc, j'étais dans des disances. J'étais des disances que... Il y en a donc qui ont reçu leur visa comme ça et ils se posent des questions. Ils étaient du genre, oh, est-ce que c'est le vrai visa Amandine? Amandine, est-ce que c'est le visa? Mon ami qui est là-bas au Bahreïn m'a dit que c'est pas la même chose que son visa. J'ai vu le visa d'une autre personne. C'est si cela, patati patata, c'est pas la même chose. Anyways, guys, pour ceux qui ont fait leur visa, il y a de cela, je veux dire, plusieurs mois avant, parce que ce format-ci est entré en vigueur, il y a de cela plusieurs mois déjà, ok? Donc, pour ceux qui ont fait leur visa depuis, c'est normal qu'ils aient un format différent. Donc, voici le nouveau format des visas, que ce soit le visa visiteur de 1 an, que ce soit le visa visiteur de 1 mois, que ce soit le visa visiteur de 6 mois, ok? Ça dépend. Il y en a, c'est comme ça en fait. Voici le nouveau format. Et le nouveau format du visa vient avec le code barre. C'est ce que vous voyez là. L'ancien format n'avait pas de code barre. OK, les amis. Donc, si un agent vous fait votre visa, OK? Bon, pour mes clients, je prends la peine de les expliquer. Mais si un agent fait votre visa et qu'il ne vous explique pas et que vous êtes confus, ne soyez pas confus, les amis. OK? Ne soyez pas confus. Si la personne vous envoie ce document-ci, OK, ce document-ci que je vous présente là comme ça, okay? Et que vous avez le code barre, vous avez vos informations là, alors tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller dans le système, prendre ces informations qui sont sur ce document et vérifier votre visa en ligne. Si c'est que ce visa apparaît en ligne, alors c'est le visa, OK? Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous n'avez pas à vous demander est-ce que c'est le vrai visa, est-ce que c'est le faux visa. Non, parce que ça, c'est le nouveau format des visas pour le Bahreïn, OK, les amis? Alors, ceci étant dit donc, je vais bien sûr vous expliquer en fait ce qui est dit là, ok, pour que vous compreniez. Et comme là, vous pouvez voir, là, c'est un visa de 1 an. Cette personne, si elle a fait son visa, c'est un monsieur, il a fait son visa visiteur pour 1 an, ok. Donc voilà, je vais donc vous expliquer parce que là en bas, il y a the following conditions, on dit the following conditions apply to your visa. Donc, une fois que tu as ça, quelles sont les conditions qui sont appliquées à ceci pour que vous puissiez comprendre la famille? Alors, on dit condition numéro une, on dit the visa expiring date is the latest date on which you may enter Bahrain with this visa. Alors, il y en a qui, à ce niveau-ci aussi, il y en a plusieurs qui sont confus. Tu vas faire le visa à quelqu'un, le visa de 1 an comme celui-ci. Tu vas envoyer à la personne va arriver ici, bien sûr. Il y a une période ici où on dit, si vous pouvez voir. Period of stay. OK, bon, c'est vrai que vous pouvez voir. Moi, je vais lire. Il y a une place ici où on dit period of stay. Si c'est un visa visiteur de 1 an, de 1 mois, on va te dire period of stay. On va écrire valid to stay for 30 days only from the entering date. OK? Donc, c'est-à-dire que tu as la validité de rester sur le territoire bahreïnien pour 30 jours quand c'est un visa visiteur de 1 mois. OK? Pour 1 mois renouvelable, 2 fois qui font 3 mois. Comprenez très bien. Alors, on va te dire que tu as ton visa est valide. Donc, tu as le droit de rester avec ce visa sur le territoire bahreïnien pour 30 jours. Alors, après 30 jours, il faut renouveler. Alors, pour le visa visiteur de 1 an, c'est où ça crée la confusion. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se disent qu'ici, lorsqu'on dit period of stay, on va voir écrit valid to stay for 101 an, combien de jours? 365 jours, 165 days. Non. OK, non. Pour le visa visiteur de 1 an, OK, on te dit period of stay. On dit valid to stay 90 days only from the entering date. OK? Donc, ça veut dire que quand tu as le visa visiteur de 1 an, tu es légalement sur le territoire bahreïnien. Donc, quand tu arrives au Bahreïn, tu es légal pour 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Tu es légal sur ce territoire pour 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Et passé 90 jours, tu dois faire ce qu'on appelle un exit entry. J'ai expliqué ça dans une vidéo où je vous disais comment étendre ses visas visiteurs, ses visas visiteurs au Bahreïn. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, là, je vous laisse le lien ici. Ou ici, c'est très simple, je ne vais pas revenir là-dessus. Cliquez tout simplement sur ces deux liens-là et vous allez certainement regarder la vidéo et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question lorsque je dis qu'après les 30 jours, vous devez faire ce qu'on appelle un exit et un entry. OK, vous allez comprendre, c'est très simple. Cliquez juste sur cette vidéo qui s'affiche là, là ou là et vous allez regarder. OK, les amis. Alors, donc, on te dit donc que the visa expiry date is the latest date on which you may enter Bahrain with this visa. Alors, quand on dit ici que visa expiring date, il y a ici visa expiring date également. Ça, c'est autre chose que les gens ne comprennent pas. On te met la date d'expiration du visa.
Il y en a qui, quand tu les envoies ce document, ils sont du genre, non, tu m'as dit que tu vas me faire un visa de 1 an. Pourquoi est-ce que je vois? On me dit que mon visa va expirer dans 3 mois. Pourquoi? Comment mon visa va expirer? Oh, je n'ai pas le temps. Ils s'enflamment en fait, des amis. Tenez-vous tranquille. I am here for you guys. I'm here for you guys. Et en passant, je vous ai même pas souhaité la bienvenue comme il faut. Si c'est ta première fois ici, non, je vous ai souhaité la bienvenue. Et en passant, les amis, ok? Si tu n'as pas encore liké cette vidéo, I'm like, make sure you subscribe, make sure you like this video. Please like this video, like cette vidéo, partage-la et abonne-toi, guys. Le bouton qui est là en bas, hein? Cliquez sur ce bouton. Et pour ceux-là qui continuent de s'abonner every day, I'm seeing you, I'm happy, I'm grateful, I'm thankful, I celebrate you, I love you all. Thank you so much. Continuez de vous abonner, les amis. Vraiment, ça me fait plaisir, guys. Vous n'avez pas idée de savoir que même quand je suis off, même quand je suis pas là, je vois comment le nombre d'abonnés augmente. And I'm just grateful. I'm just grateful. I'm like, who am I? Who am I? Who am I? Je suis juste reconnaissant, les amis. Et vraiment, du fond du cœur, je vous dis merci. Merci, la famille. Vous êtes ma force. Vous êtes ma motivation. Vous êtes. I don't just know how to express it. Like, I don't just know what to say, but I hope you guys understand what I mean, okay? Donc voilà, comme je disais, donc il y en a qui, lorsqu'ils voient expiry, visa expiring date, ils se disent que c'est la date où leur visa, c'est un visa. Oui, je pouvais mettre ça comme ça. Donc ils disent que tu m'as dit que tu vas me faire le visa de 1 an, mais je vois qu'on dit que mon visa va expirer dans 3 mois, c'est monté, c'est descendu. Non, les amis. Lorsque vous avez un visa de visiteur de 1 mois ou alors de 1 an, en fait, lorsque vous avez un visa de visiteur, peu importe. La durée de votre visa, qu'il soit 1 mois, 1 an, 6 mois, peu importe, mais lorsque vous avez un visa visiteur, vous devez savoir que vous avez un temps que le gouvernement bahreïnien vous donne pour entrer sur le territoire. Et je crois que c'est applicable partout. I think it's applicable everywhere. Je crois que c'est applicable partout parce que il y a toujours un temps que chaque gouvernement te donne quand tu prends le visa d'un pays. Le gouvernement de ce pays te donne un temps pour lequel tu vas utiliser ce visa. Passé ce temps, tu ne pourras plus utiliser ce visa, mais ça ne veut pas dire que ce visa est périmé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce visa va juste expirer parce que la dernière date qu'on t'a donnée pour entrer sur le territoire, tu n'es pas entré. Donc, ce qui fait que tu ne peux plus utiliser ce visa pour entrer. Mais le visa, en fait, n'est pas périmé. Donc, c'est juste que c'est toi qui paies. Le fait que quand ton visa sort, tu traînes, tu ne viens pas, c'est toi qui paies. C'est pour ça que certaines personnes parfois préfèrent, lorsque leur visa sort, peut-être pour ceux qui font les business, pour les businessmen, les gens qui veulent faire les affaires, etc., ils préfèrent parfois faire d'abord un premier voyage. Mais lorsqu'ils ne sont pas prêts, ils font un premier voyage pour sécuriser le visa. Okay, pour sécuriser le visa. Après, une fois que tu es déjà entré, le visa est sécurisé. Maintenant, tu pourras ressortir, entrer. Si c'est que tu as un visa en entrée multiple, comme ce qu'on va voir dans la suite. Okay? Donc, ce qui fait que cette date qu'on a mise ici, date d'expiration que vous voyez ici, ce n'est pas que c'est la durée de votre visa. Non, votre visa a bel et bien une durée de 1 an ou une durée de 1 mois, dépendant de la durée que vous avez pris. Mais la date que vous voyez ici, où vous voyez expiry là, c'est la date, c'est la dernière date limite que vous avez pour entrer sur le territoire bahreïnien. Donc, passé cette date-là, vous ne pouvez plus entrer sur le territoire bahreïnien avec ce visa. Vous serez obligé de faire un autre visa. Alors, comme je disais, lorsque vous avez un visa visiteur, vous avez une période de 3 mois pour entrer sur le territoire bahreïnien. Que ce soit un visa visiteur de 1 mois, que ce soit un visa visiteur de 1 an, peu importe, tant que c'est un visa visiteur, vous avez une période de 3 mois. Okay? À partir de la date où votre visa a été valide, où votre visa a été approuvé. À partir de cette date-là, vous avez jusqu'à 3 mois pour entrer sur le territoire bahreïnien. Lorsque vous avez un visa de travail, vous en avez pour jusqu'à 6 mois pour entrer sur le territoire bahreïnien. I hope I'm making sense. OK? J'espère que vous me comprenez. Donc, voilà, c'est ça. OK. Là, on continue en disant number of entry. Voilà. Le visa visiteur pour le Bahreïn, visa visiteur de 1 an, c'est à entrée multiple. OK? Mais le visa visiteur de 1 mois est à une seule entrée. Entrée multiple, c'est-à-dire que lorsque tu as ton visa, okay, tu voyages, tu viens. Après, si tu as ton argent, que tu veux prendre ton billet d'avion pour retourner, peut-être il y a une urgence dans ton pays ou bien qu'il y a quelque chose que tu dois aller faire, tu ressors, okay, dès que tu finis de faire ce que tu as fait, tu rachètes encore tout simplement ton billet d'avion, tu reviens sans toutefois avoir besoin d'un autre visa parce que ce visa, ce que tu as fait, visa visiteur de 1 an, il est à entrée multiple. Donc, c'est-à-dire tu peux entrer le temps de fois que tu veux, sortir le temps de fois que tu veux, aussi longtemps que ce visa est encore valide. OK? Donc, voilà. Donc, quand vous voyez là, number of entry, c'est nombre d'entrées, multiple. Donc, entrée multiple. Tu peux entrer plusieurs fois, sortir plusieurs fois, aussi longtemps que tu veux, tant que tu as ton argent pour tes billets d'avion. I mean, like, tu es entre deux avions. Donc,
Tu entres, tu sors, tu entres, tu sors comme tu veux, ok? Et là, c'est beaucoup plus favorable pour les business, pour les gens qui veulent faire le business, etc., etc., ok, les amis? Et parlant même des gens qui veulent faire le business, là, il y a un visa dont je dois vous parler, je dois vous faire part d'un visa qui pourra vous être très utile, mais ça sera dans une autre vidéo, ok, guys? Alors, on a terminé ça. Allons donc au niveau de la deuxième condition. La deuxième condition, on dit « The period of stay is the longest time you may spend in Bahrain on » on any one visit. Donc, lorsqu'il y a une place où on a dit period of stay, voilà, period of stay, comme je vous expliquais, 90 jours là. Donc, c'est le nom, le temps le plus long que tu as à rester sur le territoire bahrainien. Si c'est un visa de 1 mois, tu auras 30 jours. Un visa de 1 an, tu auras 90 jours. Donc, après ces jours, après ce nombre de jours là, tu dois soit extendre ton visa pour le visa visiteur de 1 mois et soit faire une entrée et une sortie pour le visa visiteur de 1 an. Et comme j'ai dit, regardez la vidéo que j'ai laissée dans le i là pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Alors, la troisième condition, on dit « The number of entry is the number of the time you may enter Bahrain with this visa. » J'ai déjà expliqué ça. Donc, on dit « La période, le nombre d'entrées est le nombre de fois que tu peux entrer dans le territoire bahrainien avec ce visa-ci. » Ok? Donc, j'ai déjà expliqué ça. On dit « Person will be denied entry if there is a mismatch between the passport data and the visa. » Alors, la dernière condition dit que tu pourras on pourra te refuser l'entrée sur le territoire bahrainien si c'est que les données qui sont sur ce visa-ci ne correspondent pas avec les données qui sont sur ton passeport. OK, guys? Donc, voilà, c'est ça. Guys, je ne voulais pas que cette vidéo soit longue. Alors, je vous apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi, guys? La bonne nouvelle, c'est que nous avons, attendez, je compte, 3, 5, 6, 7. J'ai 7 personnes à accueillir à la fin de ce mois. I'm like, what? Guys! Ah! 7 personnes. Quand je dis que j'ai 7 personnes à accueillir à la fin de ce mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a eu une approbation. Alors, on a eu 7 visas qui ont été approuvés. Je suis contente, les amis. Je suis contente pour vous. Vous qui avez eu vos visas, vous, en fait, I'm just so happy. I'm just so happy. Et je suis encore plus contente parce que parmi les 7 personnes, il y a, j'ai un membre de famille très proche. J'ai un membre de famille très proche, mais alors très, très proche. Et ouais, c'était ça la bonne nouvelle, les amis. Donc, on a eu l'approbation. Ou alors, je veux dire, 7 visas ont été approuvés. Il y en a presque 3 parmi les 7 ou alors 4 parmi les 7 qui ont été approuvés en moins d'une semaine. Like, c'était rapide. C'était rapide. Comparaison maintenant en septembre, je suis un peu dépassée. Je ne sais pas. Tous ceux qui m'ont contacté pour leur visa pendant depuis fin août, début septembre aussi, et même ils se sont rendus compte de la rapidité avec laquelle ça passe. Je ne sais pas. Peut-être le gouvernement bahrainien, vu que c'est la rentrée scolaire, il veut accueillir les gens. I don't just understand. Like, I don't understand why. I don't understand. Mais la rapidité avec laquelle les visas sont approuvés maintenant, I'm just like, I'm speechless. Je suis déjà, wow, what is going on? What is going on? Franchement, il y a un visa qui a carrément été approuvé à moins de 24 heures. À moins de 24 heures, déjà, j'ai reçu le passeport de la personne, j'ai envoyé à l'agent d'immigration et tout. Et puis, en soirée, je vois le message qui me dit « Visa approuvé ». I was like, hein? Hein? Qu'est-ce que je vais dire au client? Peut-être qu'il n'a pas encore préparé la deuxième partie de son agent pour envoyer machin, machin. Bon, bref, heureusement que ce client-là était prêt. La personne était prête. Lorsque j'ai informé la personne a immédiatement également envoyé les dos pour que je récupère le visa et je l'envoie. Bon, bref, voilà un peu comment rapide l'approbation des visas se fait maintenant. C'est vraiment du tic au tac, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Et bien sûr, je ne vais pas terminer cette vidéo. C'est vrai, je ne voulais pas qu'elle soit longue, mais je vois déjà que c'est vraiment long. Mais je ne voulais pas terminer cette vidéo sans vous dire merci, les amis. I'm just like, thank you, guys. Merci, les amis, parce que franchement, franchement, jusqu'ici, je me dis seulement, c'est la grâce de Dieu. Vous et moi, là, c'est une histoire de... C'est Dieu qui est au milieu. Il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui va faire le miracle dans la sauce. Oui, c'est vraiment Dieu. Parce que si c'était pas Dieu, parfois, je me demande, mais tiens, tu vois quelqu'un sur YouTube, elle fait juste ses vidéos, elle rit là, elle fait sa folie, etc. Et puis, tu te lèves, tu fais confiance, tu envoies ton argent et elle aussi, elle prend ça, elle fait et puis tu viens. I'm just like, wow, this is amazing. Ça n'en court pas les rues, les amis. Permettez-moi de vous dire, ça n'en court pas les rues. La confiance que vous avez en ma personne,
la confiance que vous avez en Amandine Abba TV. I'm just like, wow, it's amazing. Ça en court pas les rues, les amis. Et comme je vous le dis toujours, je vous dis, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, c'est une confiance méritée ou alors c'est une confiance que je ne vais jamais trahir parce que je ne suis pas ici également pour anarquer. Je ne suis pas ici pour porter le chapeau d'une anarchiste. Non, je suis ici pour vous aider, ceux-là qui veulent immigrer, qui veulent passer par moi, ou bien qui passent par d'autres personnes, I'm here to help you out. I'm here to see that your dream of immigration, to coming to Bahrain, or I don't know, going elsewhere, je ne sais pas, mais que ça, let it come through, like, que ça vient en manifestation, I'm here for that. Et si je peux être le canal par lequel le Seigneur passe pour te permettre de réaliser ce rêve, pourquoi pas? I'm just so happy. Et je vous dis vraiment merci les amis. Merci pour votre confiance. Merci de regarder mes vidéos. Merci de les liker. Merci de les partager. Merci de vous abonner. Merci de me suivre. Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Thank you guys. Merci les amis. Faut pas que je devienne... Vous savez non, les vlogs arrivent. Connaissez les vlogs arrivent quand je vais recevoir tout ce monde là aussi on va voir ça ici ensemble, donc tenez-vous tranquille, ok? Merci donc d'avoir regardé cette vidéo comme je disais les amis jusqu'à la fin et je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et vous savez quoi les amis, que le Seigneur vous bénisse, ok? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Bye.